Salut les tricopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce cinquième épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Et ici, on va parler de tricot. Et un petit peu de couture aujourd'hui, un tout petit peu, voilà. Aujourd'hui, on est le 21 août, le lundi, on commence bien la semaine. Il fait pas beau à Paris. Bon, il pleut pas, on peut dire que tant qu'il pleut pas, il fait beau. Non ? Vraiment. On ne s'est pas vu depuis le 22 ou le 23 juin, si je me souviens bien, et j'en suis vraiment désolée, mais j'ai eu une espèce de grosse baisse générale de régime, et du coup, je ne me suis pas sentie très très productive ces deux derniers mois. Je dis sentie parce qu'en fait, quand j'ai fait le tour des trucs dont il fallait que je vous parle, je me suis aperçue que j'avais quand même fait pas mal de choses. Mais bon, ouais, c'était pas une période top top. Pour vous faire le petit bulletin de santé de la reine, je me suis fait une entorse mi-juin, donc j'étais encore en béquille la dernière fois qu'on s'est vu. Je ne les ai plus, mais mon entorse n'est pas remise. Donc voilà, j'attends de voir un spécialiste très très prochainement pour savoir s'il faut opérer ou pas. Voilà. Comme ça, vous savez tout. On va pouvoir commencer les choses sérieuses. Voilà, alors, les projets terminés. Est-ce que j'évacue la couture tout de suite ou pas ? Oui, ça va être vite fait. Alors, j'ai fait deux choses en couture. La première, c'est quelque chose que j'avais commencé il y a au moins 2 ou 3 ans, que j'avais pas encore terminé, tout simplement parce que ma machine faisait des caprices à cette époque-là. Bon, elle continue toujours, mais j'arrive à travailler autour. Non, en fait c'est une antiquité ma machine, mais elle fonctionne encore bien. Le problème c'est que moi j'ai pas beaucoup d'expérience en couture et du coup des fois je galère un peu, voire beaucoup. Donc le premier projet c'est un plaid. Oui non mais parce que moi je progresse de manière raisonnable dans la difficulté, vous voyez. J'ai commencé avec un truc qui fait 1m50 sur 1m50, voilà. Donc c'est un grand plaid. Bon, il est plus ou moins réversible aussi parce que l'autre côté il est tout à fait visible aussi et utilisable de cette manière là, donc voilà. En coton, molletonné, tout ça, autant vous dire qu'en fait, non, la première fois que je l'ai commencé, enfin j'ai quasiment tout fait quand je l'ai entamé, sauf que j'ai commencé la couture d'un des côtés et je me suis aperçue en arrivant au bout du premier côté donc que j'avais cousu en double épaisseur, donc il a fallu que je fasse toute la couture. Voilà, hein. Et ça m'a gonflé et la machine a commencé à faire n'importe quoi, donc je l'ai mis de côté. Et quand je suis arrivée dans l'appart ici, je me suis dit que quand même il était temps que je le termine, hein, quand même. Et donc je m'y suis mise et je l'ai terminé en fait assez rapidement, une fois que j'ai compris comment ajuster les réglages de ma machine pour que ça fasse une couture propre. Voilà. Et du coup, depuis, il trône sur mon canapé. C'est le canapé gris foncé, le plaid est bleu marine. C'est bien calculé au final. Ça tombe bien. Vous savez, le bleu marine, c'est comme le noir, ça va avec tout. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Le deuxième projet, c'est un truc dont je suis particulièrement fière. Je l'ai faite pour le baptême de la fille de ma cousine. C'était à Saint-Jean-de-Luz à la fin du mois de juillet, mais la météo annonçait qu'il ferait pas très très beau. De toute façon, je connais le coin, je sais que c'est souvent changeant. Puis pour aller à l'église, je me suis dit qu'il valait mieux éviter les jupes courtes. Et comme j'avais envie de continuer sur ma lancée avec la machine, je me suis dit pourquoi pas la faire. Donc j'ai trouvé le patron M comme Marrakech de M comme Marie et je me suis fait cette jupe. Alors je suis désolée, hein, elle est pas très repassée, mais en même temps c'est du lin, donc de toute façon ça froisse. Voilà, c'est une jupe longue avec une taille élastiquée plus un cordon pour resserrer quand même. Il y a deux grandes poches, ce qui est super pratique. J'ai pas eu trop de mal, moi. C'était un peu compliqué quand même parce que le tissu était très épais à la fin, là où il y avait plusieurs épaisseurs, parce qu'il y a quand même des plis. Les plis sont cousus là, et du coup à l'intérieur, enfin au niveau des côtés, c'était très épais, mais bon, je m'en suis sortie quand même. Et puis au final, je suis vraiment, vraiment ravie. Elle tombe super bien, elle est très agréable à porter. C'était parfait parce que du coup, elle n'était pas trop chaude, mais en même temps, elle laisse respirer quand même. Donc c'était impeccable pour le jour où j'en avais besoin. Et du coup, je l'ai beaucoup, beaucoup portée depuis. Je me découvre une passion pour les jupes longues. Non, je plaisante, mais
L'homme trouve que je ressemble à ma mère avec cette jupe, parce que c'est exactement le genre de truc qu'elle porterait. Bon, s'il le dit, hein, j'ai rien contre ça, donc. Mais voilà, c'est un style plutôt conservateur, on va dire. Un peu rétro. Non, c'est sympa. Enfin, la longueur est vraiment. La longueur est agréable et je pense qu'elle est assez flatteuse aussi, parce que du coup, elle cache un peu mes gros mollets. Voilà. La seule vraie difficulté que j'ai eue avec, c'est les boutonnières, parce que ma machine, j'arrive pas à les faire et du coup, il a fallu que je les finisse à la main. Mais à part ça, voilà, le patron est vraiment très clair. C'est un peu. C'est toujours un peu galère quand il faut tout imprimer et après assembler le patron. Mais à part ça, vraiment assez simple à faire. Et franchement, je pense que j'en ferai d'autres. Peut-être un petit peu plus courtes, un peu plus légères. Voilà. Mais donc, je suis vraiment contente. Voilà. Donc, on a parlé de la couture. Je pense pas qu'on en parlera très souvent parce que je fais quand même pas beaucoup de projets en couture. Je préfère me mettre au tricot parce que ben il suffit de transporter le sac et de m'installer sur le canapé et le sac à projet est toujours à portée de main. C'est quand même beaucoup plus simple que de devoir faire tout un branle-bas de combat pour sortir la machine, découper, enfin prendre toute la place, la planche à repasser, tout ça. Enfin bref, je vais pas vous faire tout l'inventaire, mais c'est quand même beaucoup plus simple et ça demande moins d'organisation de tricoter que de coudre, à mon avis. Voilà. On peut passer au projet terminé en tricot. J'en ai 4, mais 3 à vous montrer parce que le quatrième, je l'ai offert. Je vais commencer par ça. Je vous mettrai une petite photo au montage. C'est un béguin que j'ai fait pour aller avec l'espèce de chaussette l'ange que je vous ai montré la dernière fois. Que j'avais fait pour la naissance de la fille d'une amie. Voilà, vraiment pas, très très rapide à faire, je crois que j'ai dû mettre 2 jours, avec des petites nappes toutes mignonnes, c'était vraiment sympa. Ça m'a permis d'utiliser aussi du coton qui me restait du projet qui allait avec, donc c'était assorti. Et non, vraiment, c'est le patron Pierre-Louise d'Emily Louis, et vraiment, je recommande parce que il est impeccable. Voilà. Donc le petit béguin et le premier projet terminé, je vous les montre dans l'ordre, hein. C'est le boniard, il était temps que je le termine quand même, parce que j'ai l'impression d'y avoir passé des mois. Vous voyez, je disparais derrière, il est immense, il est aussi assez chaud, j'en suis vraiment vraiment contente, la laine est super agréable à porter, c'est de la Tosh DK de Madeleine Tosh. Est vraiment chouette. En plus, le contraste entre le turquoise et le gris est vraiment joli. Alors, il se replie un peu en bas, mais c'est normal. Et non, super. Vraiment, vraiment super. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Des jours où il faisait pas très chaud, pas très beau, où je prenais le Vélib. Oui, parce que j'ai pas le droit de faire plein de trucs, mais ça, prendre le vélo, je peux. Voilà. Avec ma cheville. Et vraiment, il est chouette et j'ai hâte de le porter plus régulièrement. En plus, avec la taille qu'il fait, je peux facilement le mettre sur les épaules. C'est vraiment, vraiment impeccable. Le patron n'a aucune difficulté. Non, vraiment, j'en suis super, super contente. Voilà. Donc, le boniard. Il était temps de le finir quand même. Hein. Je pouvais plus le voir en peinture à la fin. Je crois d'ailleurs que du coup j'ai fait une rayure de moins parce que j'en avais marre, enfin que ce qui est prévu sur le patron d'origine. Il est bien comme ça. Voilà. Après j'avais entamé, je vous en avais parlé la dernière fois, il me semble que je l'avais mentionné, que je voulais faire un châle avec la laine que j'ai eue dans le dernier Fiber Muse Alchemy Kit, la laine violette de chez Fabulous Fibers. Et du coup, je m'y suis mise. C'est le Spring Awakens de Arhanis. C'est encore un grand châle, hein, voilà. Je l'ai terminé. Alors, j'ai mis du temps pour celui-là parce que il y a eu toute une période où j'ai pas du tout tricoté pendant ces 2 mois-là. Mais rien à dire. Comme la dernière fois avec le châle précédent que j'avais fait de
de Françoise, vraiment, vraiment rien à dire. Il est super bien écrit, très, très clair. J'ai utilisé le diagramme pour une fois. Donc c'est bien, ça m'a permis de m'entraîner à lire un diagramme parce que j'ai très peu d'expérience là-dedans. Le motif est très très joli. Alors à bloquer évidemment c'est toujours sympa hein, quand les chats sont aussi grands. Mais non, j'en suis vraiment contente, il est très très beau. J'ai raccourci un peu la bordure parce que normalement elle devait faire 2 pouces, c'est-à-dire 5 cm et je trouvais que ce serait trop haut. Alors là, je sais pas exactement combien elle est maintenant qu'il est bloqué, mais j'ai dû faire une dizaine de rangs, une douzaine, et ça m'a semblé suffisant, donc j'ai pas fait plus. Voilà. Donc un châle en je sais pas en demi-cercle, non même pas. Je sais pas. Je sais pas trop quelle forme, comment on peut l'appeler. Si vous avez des idées, enfin si vous savez comment ça s'appelle, n'hésitez surtout pas à me les donner, à me dire, parce que j'en sais rien. Donc voilà, c'est le motif est facile à assez facile à mémoriser. Et puis au final, ça monte tout seul, quoi. Enfin, ça monte tout seul, hein, tout est relatif quand même, parce que c'est du 3,25, 3,75. Donc c'est quand même pas. Pas des aiguilles en 6 ou en 7 quoi, mais non, il est agréable à tricoter vraiment. Malheureusement, oui et non, c'est pas des couleurs que je porte très souvent comme ça, donc je me dis que je vais peut-être l'offrir. Je sais pas, je vais y réfléchir. Je vais quand même le porter un petit peu, mais je pense qu'à terme, j'en ferai cadeau. Voilà. Ça ne me choque absolument pas d'offrir un châle qui a déjà été porté. Je pense que le travail est... Enfin, ouais, de toute façon, je le laverai dans tous les cas. Et le travail qui est derrière ne change absolument pas qu'il ait été porté ou qu'il soit entièrement neuf. Voilà. Mon nouveau châle. Et le dernier projet terminé que j'ai mis sur mes aiguilles parce que ça... Je commençais à trouver un peu le temps long avec le Spring Awakens. C'est le bandana Cowl de Pearl Soho qui était dans ma file d'attente sur Ravelry depuis à peu près 3 siècles. Voilà, j'ai mis une journée pour le faire. Ça m'a fait penser à autre chose, ça m'a détendue et j'ai dû me relancer pour la fin du grand châle. Voilà, donc il se tricote en rond. Que dire, ben pas grand chose, avec des rangs raccourcis, voilà, enfin rien de particulier, rien de très difficile. Et du coup, il est super court. Hein. Alors on peut évidemment aller braquer des banques avec, mais c'est pas l'objectif. Mais je pense que faire du vélo, c'est vachement bien quand il fait froid. Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit, mais je disais que je pense que quand il fait froid, pour faire du vélo ou des trucs comme ça, ça doit être assez agréable. Ça doit bien couper le vent. Voilà. Donc lui, il a une forme sympa. Et puis c'était un parfait projet pour me changer un petit peu de ce que j'étais en train de faire. Voilà. On peut passer au projet en cours. Alors j'ai commencé un truc que j'avais dans ma file d'attente depuis pareil au moins 3 ou 4 ans, je pense. C'est le Sirma. De Bérangère Caillot, voilà. Alors j'ai pas fait grand chose. Hein. Je l'ai monté juste après avoir terminé le Spring Awakens et voilà. J'ai un petit peu avancé tranquillement. Je le fais avec de la cascade, de la laine qui a rien de particulier. Enfin, je veux dire, c'est de la bleu marine, voilà. Mais elle est douce, elle est agréable et ça monte tranquillement. Donc voilà, celui-là, c'est sûr, je vais l'offrir. À qui je sais pas encore tout à fait, mais c'est sûr je vais l'offrir. Mais ça fait très très longtemps que je l'ai sur ma liste parce que je me souviens qu'on s'était dit qu'on ferait un cal avec les copines et qu'en fait je pense qu'à l'époque la difficulté était un petit peu trop élevée pour moi et du coup je m'y suis pas mise. Voilà, bon, du coup j'ai attendu que ce soit de mon niveau pour m'y mettre et voilà, là ça va tranquillement, ça monte. Ça fait son petit bonhomme de chemin, voilà. Alors je suis désolée pour mes cheveux, hein, je vais chez le coiffeur après demain, mais c'est la repousse quoi, hein.
C'est le problème, quand on se coupe les cheveux très courts, et ben après ça repousse et après c'est pas très très joli en intermédiaire, voilà. Sinon, en projet en cours, j'ai commencé un test pour ma copine Laure, Camille Kira, sur les réseaux sociaux. Ce sont des mitaines équines. Alors, c'est pas un test secret, hein, donc je peux vous en parler un peu. Voilà, c'est des mitaines avec des côtes et puis une torsade sur le dos de la main. J'avais oublié à quel point je suis très 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 lente en Magic Loop. Donc ça va vraiment pas vite. Enfin, cela dit, je dis ça, mais j'ai tricoté ça en une soirée tranquillement. Mais je vais vraiment pas vite comme ça. Mais en même temps, j'ai pas la bonne taille d'aiguille en double pointe. Puis je pense que tout se casserait la figure, vu comme je suis douée. Mais ça m'entraîne au Magic Loop. Voilà, c'est comme ça. Je l'ai fait avec une laine de chez Squirrel's Yarns que j'ai achetée à la fête de la laine de Clamart. Qui est une espèce de grille un peu bleutée, voilà, je sais pas, c'est un peu plus clair je pense en réalité que ce que vous allez voir, mais c'est mérino, cachemire et nylon. Je pense que ça va être très agréable à porter parce que c'est déjà très agréable à tricoter. Donc voilà, je mettrai des photos sur Instagram de ma progression et puis vous pourrez voir où j'en suis si je fais pas de podcast tout de suite. Voilà, mais du coup, je vais me concentrer principalement là-dessus parce que je voudrais lui rendre d'ici la fin, enfin, je voudrais lui donner mon avis en tout cas d'ici la fin du mois, donc il me reste une petite dizaine de jours. Je vais essayer d'en terminer au moins une, hein. Puis on verra pour la deuxième. Non, voilà. Ce sont mes deux en cours. Projet à venir, j'ai acheté le Mysterical de Andrea Mori qui s'appelle What the Fade. Évidemment, au bon cas le mystère, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi il va ressembler, mais voilà. J'ai hâte de m'y mettre parce que c'est la première fois que je fais un Mysterical. Et ça me semble assez sympa comme principe, donc on va voir, ça commence dans une dizaine de jours, je crois que le premier indice on doit l'avoir la semaine prochaine, voilà. On a fait le tour des projets terminés, des encours et des projets à venir, voilà, je vais pas trop me surcharger parce qu'il y a quand même un moment, enfin de projet, parce qu'il y a quand même un moment où je vais devoir retourner au travail. Et je vais avoir moins de temps pour tricoter, forcément. Surtout des trucs un peu compliqués, dans les transports en commun, c'est pas forcément évident. Voilà, voilà, voilà. On peut passer aux achats, j'en ai fait quelques-uns, des petits. C'est pas trop gros. Alors, il y en a un que je peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas reçu, c'est le kit pour le Mysterical, justement. Je l'ai commandé chez Eden Cottage Yarns, que j'avais découvert à Édimbourg et que j'aime beaucoup. J'ai trouvé un kit avec un dégradé, enfin un dégradé. Ouais, avec un camaïeu qui me plaît beaucoup, donc j'attends de le recevoir avec impatience et je vais pouvoir. Je pense que je vous le montrerai au prochain podcast quand j'aurai commencé le projet. Et puis voilà. Autre achat. J'ai racheté un project bag chez Tricot & Stitch. J'ai craqué à la fête de la laine de Clamart sur ce motif Sugar Skulls. Et elle a été suffisamment gentille pour, j'irai pas jusqu'à dire remuer ciel et terre, mais pour aller chercher, pour aller en retrouver sur les internets. Et du coup, elle en a trouvé et elle m'a fait un super sac à projet. Alors celui-là, c'est un sac, je crois qu'elle appelle ça une maison à chaussettes. Donc il y a deux compartiments pour pouvoir mettre deux pelotes ou les deux chaussettes. Avec un, de chaque côté, il y a un petit rabat avec une pression pour faire passer le fil pour que la pelote reste dedans et que le fil ne se coince pas. Donc si on tricote avec plusieurs couleurs, c'est aussi super pratique. Voilà. Et il y a une poche zippée à l'intérieur. Donc voilà, c'est Tricot & Stitch. Je ne sais pas si elle en aura d'autres. Vous pouvez lui poser la question sur Instagram. Je sais qu'elle l'a mentionné dans un de ses posts précédents, mais très sincèrement, je ne me souviens pas. En tout cas, je ne peux que vous recommander ces sacs à projet, et voilà, parce que les finitions sont super, ils sont vraiment jolis, et je suis ravie des miens en tout cas. Voilà, j'ai acheté des badges.
Mais du coup, j'ai plus de place. Il va falloir que je trouve un autre. Et puis en plus, du coup, ma trousse pèse 1,5 tonne. Il va falloir que je trouve un autre endroit pour accrocher les prochains. Parce que forcément, il y en aura d'autres. J'en ai acheté 4, 5. J'en ai acheté quelques-uns sur la boutique Aubergine and Art sur Etsy. Celui-ci, I do love knitting patterns. C'est une citation d'Albus Dumbledore dans Le Prince de Sang-Mêlé au tout début. Voilà. I do love knitting patterns. Je ne sais pas comment il a été traduit en français, enfin comment cette phrase a été traduite, mais parce que je ne l'ai pas lu en français, je l'avoue. Mais voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. J'aime les patrons de tricot. Moi aussi. Si je devais tricoter tous les patrons que j'ai, je pense que j'aurais de quoi faire jusqu'à la fin de mes jours, voire plus, sans avoir besoin d'en racheter du tout. Et donc j'ai racheté aussi chez Aubergine and Art, du coup j'ai acheté deux autres badges sur le thème d'Harry Potter. J'ai acheté le Ravenclaw Knitter, parce que Team Serdaigle. Et j'ai acheté le Never Enough Yarn avec un nid fleur, voilà. J'ai trouvé trop, trop mignon. Je pense qu'il serait vraiment sympa sur un sac à projet aussi, celui-ci. Alors, je ne sais pas si elle l'a fait ou pas. Il me semble pas. Mais le nid fleur est tellement mignon que j'ai craqué. Voilà. Et je ne sais plus du coup si je vous en avais parlé la dernière fois des deux badges que j'ai reçus. Non, je crois pas. J'ai commandé deux badges après, enfin deux pins. Ouais, après les avoir vus, en avoir vu un chez Utilisatrice 42, si je me souviens bien. Donc, c'est celui-ci. Bon, évidemment, la chaîne se coince tout le temps. Voilà. Donc, c'est une tricoteuse avec la chaîne qui la relie à sa pelote. Je l'ai trouvée adorable. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit que voilà, elle avait tout à fait sa place sur ma trousse. Et l'autre, c'est une petite private joke. C'est Black is such a happy color. Parce que je porte beaucoup, beaucoup de noir. Enfin, du noir et du gris. Hein, voilà. Ça préjuge absolument pas de mes goûts en matière de musique, de cinéma ou de quoi que ce soit, mais voilà, je porte beaucoup, beaucoup de noir. Et voilà, j'ai trouvé que le badge, du coup, enfin le pin, ça s'accordait parfaitement avec ma philosophie vestimentaire. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer ma pile de tricot terminée, j'aime le noir. Voilà. Et les couleurs foncées, bleu marine, tout ça. Bref. Ben, on a fait le tour de tous les trucs importants. Il y a deux, trois choses qui vont venir dont je voulais vous parler. Alors, la première, c'est le tournoi de Knitich, auquel je me suis inscrite donc dans la team Serdaigle. C'est un tournoi. Enfin, c'est. Comment expliquer ça? C'est une compétition de tricot organisée par Tricot et Stitch sur Ravelry et puis je pense sur les réseaux sociaux aussi, si, probablement. Enfin, vous allez sûrement le voir tourner si vous suivez un peu la communauté. C'est une compétition de tricot entre donc les quatre maisons de Poudlard. Je crois qu'il reste de la place chez Serpentard, allez savoir pourquoi. Alors les places sont limitées à 100 personnes par équipe, parce que du coup c'est les quatre équipes des quatre maisons qui vont s'affronter de début septembre à fin novembre, je crois, avec des poules, enfin et puis des demi-finales, finales, tout ça. Enfin, il y a tout un système de points qui vont être comptabilisés pour les maisons et il me semble voilà qu'il reste de la place. Il doit rester peut-être quelques places chez Serdaigle, il en reste pas mal chez Serpentard. Les deux autres maisons sont pleines. Donc on va être 400 probablement. Je pense que c'est. Ah, quoique. On sera peut-être pas 400 parce qu'il me semble que les inscriptions se terminaient en fin de semaine dernière, il me semble. Donc on sera peut-être un peu moins de 400, mais bref, ça fait quand même 400, presque 400 personnes qui s'affrontent dans une compétition de tricot. Je pense que ça va être sympa. Vous allez voir passer pas mal de choses du coup pendant la période sur les forums, les réseaux sociaux, et je pense que ça va être super sympa. Donc le tournoi de Knitich,
Il va falloir carburer au mois de septembre. Enfin. Et le deuxième truc dont je voulais vous parler, c'est que l'homme a accepté qu'on retourne à Berlin pour aller à Berlin Knits, donc le festival de tricot de Berlin. Alors, je pense que je m'y promènerai toute seule parce que, à mon avis, le Edinburgh Yarn Festival, ça lui a suffi, donc je ne vais pas lui prendre de place. Mais voilà, donc si vous êtes là, sur Berlin, le week-end du 30 octobre, 30 septembre, 1er octobre, n'hésitez pas à me le dire, et puis on essaiera de, si on peut se croiser pendant le festival ou autour, ça me fera super plaisir de vous rencontrer là-bas. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. C'est bon, l'homme se moque et dit que en fait, je m'auto-offre mon cadeau d'anniversaire, parce que mon anniversaire, c'est juste avant, et du coup... Comme ça, il n'a pas trop d'efforts à faire pour chercher quelque chose. Moi, je m'en fous. J'aime bien Berlin et j'aime beaucoup le tricot. Donc, c'est joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Et puis, mince, j'ai le droit, si j'ai envie de m'offrir un auto-cadeau d'anniversaire en allant au festival de tricot, chacun son truc. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'y être. Donc, je pense que ça va être sympa. J'ai un petit mois pour me préparer, faire ma liste de courses. Je vais encore me ruiner. Tout ça pour dire que je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je vérifie que j'ai rien oublié autour de moi dont je pourrais vous parler, dont je voulais vous parler, mais non, je crois pas. Bah écoutez, j'espère que ce podcast, cet épisode vous a plu. Que vous tricotez bien, que vous avez bien tricoté. L'été, c'est pas forcément la meilleure période pour s'y mettre, mais on sait jamais. Hein. Peut-être que chez vous, il a pas fait beau et que pendant vos vacances, vous avez tricoté des kilomètres et des kilomètres, je sais pas. Je vous souhaite une très belle semaine, puisqu'on est lundi. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je vais essayer de pas laisser passer 2 mois avant le prochain podcast. Ce serait pas mal. Hein. En attendant, bon tricot! Bye bye!